approbation de notre trust fund pour le travail qu'il peut faire pour promouvoir et mettre en valeur la richesse du patrimoine matériel et immatériel qui relève de l'immigration indienne. Si je dis Guide Gawai Finesprieur de la liste UNESCO du patrimoine mondial immatériel de l'humanité, c'est grâce au travail de l'équipe qui finit là. Inscription Guide Gawai, un autre grand moment de fierté pour le pays, pareil comme tu es là, quand tu es inscrit, c'est la type. Mais le travail là, pas arrêté là. Mais à continuer pour promouvoir nos richesses culturelles. Il est intéressant qu'il va nous prendre la relève. Et vous convaincu, comme on profitait auparavant, que les mosaïques culturelles mauriciennes sont capables d'un pilier de développement socio-économique. Je demande au ministre Art et Culture de travailler là pour qu'il nous capable d'avancer concrètement. Mais il y a aussi l'occasion pour un hommage à ce bande milliers d'immigrants indiens qui font sacrifier toute la vie pour construire sous bassement nos pays. C'est eux qui font façonner notre identité. Aujourd'hui, nos pays peuvent bouger de l'avant. Il y a plusieurs projets qui peuvent lancer pour qu'ils soient capables d'avoir encore plus de progrès économique et social. Tout cela peut faire pour améliorer la qualité de la vie et assurer que les enfants et les générations à venir aient un meilleur avenir. Comment nous allons faire? Nous aussi, qui avons l'héritage qui pourrait connaître par l'histoire. Bâton dans la rue. Pour y a des gens qui voulaient, qui n'ont pas réussi. Pour y a toute qualité, pression. Mais il ne faudrait pas que l'adversité fasse nous capituler ou reculer. Si je me laisse moi influencer par critique ou allégation gratuite, quand je suis Premier ministre, jamais ce pays-là pour progresser. Il n'y a pas pour un miracle économique dans les années 80. Aujourd'hui, le gouvernement a une mission pour qu'il plie du vent et a un deuxième miracle économique. N'ayez pas besoin de dévier nous de cet objectif-là.